prêt pour deuxième combat. Tourpal, il va falloir que tu parles assez fort. Ouais. Est-ce que tu as des déclarations à faire? Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de commencer ou tu préfères qu'on fasse des questions directement? Avant de commencer, franchement, je voulais m'excuser de mon comportement parce que c'était mes émotions. Parce que Dieu sait, chaque ronde, entre le ronde, je me disais, je vais rentrer avec ceinture à la maison, je vais rentrer avec cette ceinture. Je vais donner ma vie, mais je vais rentrer. Avant le combat, j'ai dit, il faudra me mettre KO pour que j'arrête de foncer sur toi. Et ça, c'est dans mon caractère, je refuse de perdre. Et je n'étais pas KO, j'étais conscient et je pouvais repartir. Et du coup, comme arbitre, il a arrêté, bah, c'est les émotions. Mais je me suis excusé devant tout le monde, je suis vraiment désolé. Et pour ceux qui pensent que ceux qui me connaissent, ils savent très bien à quel point je suis gentil avec tout le monde. Et j'espère que vous allez rentrer dans ma situation. Vous n'allez pas comprendre, mais quand tu fais un compte de 8 semaines avec des maladies et tout, tu donnes toute ta vie et tu veux ramener cette ceinture chez toi. C'est une grande déception et sur le coup, tu réagis mal. Mais même dans cette situation, 2-3 minutes plus tard, je me suis excusé et j'ai dit, voilà quoi, c'est les choses qui arrivent, je suis un humain et je ne sais pas faire du tout de mon comportement. Encore une fois, désolé et merci beaucoup pour votre soutien. Bonsoir. Tu as parlé d'une blessure à la jambe à la fin de ton combat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a la sueur qui a filmé, vous allez voir dans le... Dans le documentaire, c'est en aucun cas une excuse. Je félicite Axel pour son travail. Il n'a rien à voir dans le truc, il a gagné son combat. Et j'espère se recroiser s'il ne va pas ailleurs. Et s'il va ailleurs, la vie elle continue, c'est comme ça. Mais vous allez voir, mon équipe voulait annuler parce que je n'arrivais pas à prendre mon appui. Parce que mon mollet, il y avait le tendon qui était vraiment tendu et je n'arrivais pas à appuyer. J'avais l'impression que le tendon il va se déchirer en fait. On a mis crème chauffante, on a fait tout le monde notre maximum. Je ne voulais pas annuler le combat à 5 minutes pour que les jeunes après ils disent ouais, il a eu peur et tout. Ce n'est pas dans ma nature. J'ai dit vas-y, je vais combattre avec un pied, mais je vais montrer que je suis un guerrier. Et j'ai montré, j'étais en train de revenir dans le combat. On a remarqué qu'il y avait une assez grosse différence de gabarit entre... Incroyable. Je pense que c'est une éventualité pour toi de passer en 66. C'est ce que je voulais faire en fait. Avant qu'on m'a proposé ce combat, j'étais en train de descendre dans la catégorie. Il faut savoir que je ne perds rien, j'étais 76 kilos dans le combat. Mon adversaire, il était plus de 83 kilos, on vient de se parler et tout, il était énorme. Quand je suis parti dans le clinch, j'ai ressenti direct que je ne suis pas dans la bonne catégorie, tu vois. Mais vous avez vu, malgré et tout, j'ai montré que je suis un guerrier. Donc je pense que ma vraie catégorie, c'est 66. Et il faudra, dans le futur, essayer de rester dans 66. Moi, j'ai un problème, je suis coincé entre deux catégories. Je suis très petit pour les lightweight et un peu gros pour les featherweight. Donc je pense qu'il faudra souffrir et descendre en 66. Oui. Merci beaucoup. J'ai une première question. Toi, tu étais très énervé contre l'arbitre. On a vu ton frère qui était, je crois, énervé contre Adric. Est-ce que tu as pu parler avec ton frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ce soit l'équipe de Adric, que ce soit nous, on était un peu chaud. C'est normal, le combat, il était engagé. Et avec tous eux, on se parle très bien. On vient de parler avec Axel juste derrière. Franchement, on a des bonnes relations, c'est des émotions, on se tape dedans, c'est un combat. S'il n'y a pas un moindre émotion, ça serait nul en fait. Après, on s'est excusé, sûrement dans le futur, on va s'entraîner ensemble, on va faire des trucs ensemble. C'est la vie, c'est comme ça, prenez pas tout au sérieux, c'est le moment M, on est tous aigris, personne ne veut perdre et tout, donc ça arrive. Et même pendant le combat, Adric, il disait... Il est fatigué et tout. Je regardais Adric, je disais non, je ne suis pas fatigué et tout. Non. Franchement, c'était un beau combat. Avant de rentrer dans le combat, j'ai dit, peu importe l'issue du combat, j'espère que vous allez apprécier le combat. Et je pense que c'est le cas. On a fait un énorme combat. Ma deuxième question, c'est sur le fight. Tu m'as dit plusieurs fois en interview que tu t'attendais à ce qu'il y
lui reste debout, toi tu voulais forcément l'amener au sol. Est-ce que tu as été surpris par la défense d'Axel qui a été très très bonne? Bah, on a échangé le rôle parce que moi j'étais meilleur debout, je l'ai touché et je le faisais lutter en fait. Donc il s'est préparé pour contrer ma lutte. Et il faut savoir qu'il y avait une putain de différence de gabarit. Et moi, j'ai compris qu'il est très puissant et je commençais à rester debout en fait. On est tous les deux des combattants complets, on peut aller dans n'importe quel domaine. Je pense qu'on a un grand futur tous les deux devant. Merci toi. De rien. Bonsoir Turpal, j'ai pour la Maga. Félicitations pour ton combat. Merci beaucoup. Je vais vous avoir régalé. Ma question, elle va être simple. Ton game plan, tu l'as déjà annoncé. Tu as eu ce problème au mollet. Mais on est pendant le combat, surtout à partir du troisième round, tu touchais, tu faisais mal, tu étais sans pluie. Je parle uniquement de la boxe. Pourquoi tu n'as pas continué justement? Ben, j'étais en train justement. En fait, c'est vrai que je rentrais trop tard dans le combat, mais en fait, c'est mon premier combat de 5 rounds. En fait, je ne voulais pas me griller avant et après être à la ramasse. Je voulais petit par petit, chaque round, augmenter. Et je le voyais c'était quatrième round. Je le voyais qu'Axel, il commence à se fatiguer et à middle, il est passé crème et tout. Et je vous jure, dans ma tête, chaque fois que je mettais une patate quand il était à genoux, chaque patate, je me disais, je veux rentrer avec cette ceinture. Je veux rentrer avec cette ceinture. Je te jure, c'est la vérité. Et la question que tout le monde s'est posée, celle du quatrième rang, celle où tu acceptes de prendre des coups. Pourquoi à ce moment-là, tu acceptes de prendre ces coups et finalement de prendre le risque d'arriver ce qui est arrivé, c'est-à-dire que l'arbitre arrête le combat? J'étais trop dans le combat, j'étais en train de kiffer. J'étais en train de kiffer ma vie en fait. Franchement, j'ai apprécié de ouf le combat. Le coup me faisait pas mal. Et après le coup, je l'ai eu, c'est vrai. Et j'étais un peu sonné. Mais je vous jure, quand M. Pora il est venu, il dit défends-toi. Le moment qu'il dit défends-toi, j'étais en train de me lever en fait. Tu me dis une seule fois défends-toi, laisse-moi me lever. Il dit défends-toi. Une seconde plus tard, il arrête le combat. Alors, je sais pas moi, ça marche comment votre truc là? Oui, je suis sonné, j'avoue, mais j'ai conscience, je suis conscient, je suis en train de revenir. Au moment quand j'étais sonné, j'étais à genoux, je me lève parce que j'étais en train de revenir, reprendre le truc. J'ai une tête très dure. Après, j'avoue, j'ai fait une erreur et tout, mais il faut savoir, j'ai kiffé la bagarre, hein. Malheureux que je suis. La dernière question pour toi, Turpal. Turpal, bonsoir, j'allais pour que tu aies la même. Félicitations pour ta grosse... J'attends la graille après. Ça arrive, très vite, le graille fight. Turpal, ma question elle est simple. C'est peut-être un peu trop tôt pour la poser, mais quand est-ce que tu aimerais idéalement revenir? Et est-ce qu'un jour on te verra peut-être sur une carte avec Abou? Je sais que vous n'aimez pas non. Sur la même carte. Non. Donc, on ne sera pas sur la même carte. Et après, il faut savoir que j'aimerais trop combattre plus souvent. J'aime la bagarre. Et là, malheureusement, la dernière fois, c'était en février. Et ça me manque, je vous jure, ça me manque. J'ai trop envie de me battre, être toujours dans le tonus de combat, être en forme et tout. Mais malheureusement, c'est comme ça. Je ne peux rien faire. Si c'était que à moi, je combattrais tous les 3 mois. Il faut savoir que je suis venu dans ce sport gagner le plus d'oseille possible. Je ne me demande pas, je me concerne pas, je ne me dis pas, je suis un putain phénomène, je vais arracher tout le monde et tout. J'ai dit que chaque combat de Turpal, ça va être beau à voir. Je vais faire la guerre parce que j'aime la bagarre. Donc, c'est tout ça. Et juste à la fin, je voulais dire un truc. Malheureusement, je suis très émotionnel et je lis les commentaires. Des fois, ça me prend la tête parce que je pense que je suis débutant dans le milieu et je prends trop à cœur quand il y a deux personnes qui représentent la France qui combattent. Je vois dans les commentaires haineux, en fait. C'est vrai, je suis d'origine tchétchène et tout, mais je représente la France. Je pouvais représenter n'importe quel pays, mais je représente la France. Alors soyez 50-50, soyez neutre dans mon truc là. Moi, je ne suis pas dans la politique. J'aime le pays où je suis et je les représente fermement. Donc ne laissez pas des commentaires comme ça, ça me dégoûte. Je vous assure, ça me dégoûte. Soutenez tous vos athlètes et j'espère qu'on va ramener encore beaucoup de victoires pour la France. Turpal, félicitations pour ta victoire et un petit conseil, même si je suis personne pour conseiller, ne prends pas à cœur ce genre de commentaires, sache que c'est une minorité et que je pense que la totalité ici des personnes te soutiennent, savent que tu représentes la France et t'estiment à la même hauteur que n'importe quel Français. Merci beaucoup. Je me prétends pas être un Français de souche, mais je représente la France. Exactement. Et je représente dignement.
Merci à tout le monde et excusez-moi encore une fois. Yeah!